Après, dans... sur mon téléphone. Je viens de rentrer, petit haul de ce que j'ai acheté, j'ai pas acheté grand chose mais quand même. Donc déjà Sephora, c'est une mousse nettoyante visage, c'est une marque coréenne, voilà. Je savais pas, on me l'a dit. Nice, je l'avais vu sur plusieurs TikTok, il avait l'air assez bien, du coup je l'ai prise. Ensuite un gel douche. Attendez, lui du coup il a coûté 13 euros. Et là un gel douche que j'ai acheté à Adopt. Je sais pas à quel goût il est, mais il était en réduction 50%. Je l'ai eu à 2 euros, je sais plus combien. Bref, voilà. Après, j'ai vu à Sephora un Beauty Blender noir 19 euros. Normal 3 euros. Voilà, c'est une vraie affaire. Vraiment, je recommande. Non. Ensuite, j'avais dit que j'allais pas acheter d'album. Il y avait un album à 50%. C'est littéralement le même que j'ai acheté la dernière fois et qui est dans mon vlog. Mais en fait dedans les PC elles sont trop belles. Je vais vous les mettre ici ou là-bas, je sais pas, ici plutôt. Voilà, elles sont trop belles et j'aime trop les... Surtout la PC de Sobin, mais vu ma chance, est-ce que je vais avoir Sobin? Je ne sais pas. Oui, si je regarde en haut de la caméra et pas pile ici, droit devant, c'est que il y a le retour, c'est pour ça. Voilà, et comme ça je me vois. Voilà, bref, du coup je vais faire l'unboxing et je pense que c'est mieux que je fasse l'unboxing quand vous avez une vue sur mon bureau. Bon, on va faire ça. On va faire ça. Je parle beaucoup. Du coup, dans cet album, j'ai déjà eu cette PC là de Bongdu. Voilà, trop belle. Comment on l'ouvre déjà? J'ai l'impression qu'il y a un truc là. Oh mon dieu, je sais plus comment je l'ai ouvert la dernière fois. Ah si, il y a un truc là. Attendez. Putain, je vais filmer ça longtemps. Ah non, c'est bon, voilà. Du coup, ça je mettrai du scotch dessus parce que je l'aime bien en vrai. J'aime bien accrocher ce truc là comme ça. Du coup, c'est le même que celui dans l'autre vlog. Il y a deux CD dedans. Attendez, oh là là, c'est bon. Voilà, voilà. Et donc, il y a mon gros bras devant, mais... Oh. Ah, c'est bon, ok. Oh my god, j'ai regardé, je voulais pas regarder, j'ai oublié, c'est à la première page. Première fois... Alors, attendez, je dois vous montrer ma tête actuellement. Est-ce qu'on me voit là? Alors, je sais pas si on voit mon reflet. Je sais pas si je vais garder cette partie-là parce que j'ai la ridicule dessus, je pense. Il y a mon gros crâne dessus. Mais... juste... c'est la première fois que je poule... Oula, mon trépied tient pas. C'est la première fois que je poule mon bias. Mais je suis choquée. Mais sachez que dans la boutique où je l'ai acheté, il y en avait un deuxième. Et du coup, c'est 6,50€. Imaginez, il y a Sobin dedans. Imaginez. Bon, à tout moment, il y a... Bref, je vais pas dire le nom, mais... c'est pas contre Kai, hein, c'est juste que j'ai trop de PC de Kai. Mais là, c'est la première fois que je poule... C'est ma première PC de... Ma première PC de... J'ai eu un bug. Ma première PC de Yeonjun. C'est la première fois que je poule Yeonjun. Là, la seule PC... Enfin, le seul manque que j'ai jamais eu, c'est Sobin. Et la PC de Sobin dans cet album est vraiment magnifique. Bref, voilà, merci d'avoir regardé ce petit unboxing très intéressant. Voilà.
Ça roule plus alors? Ok. J'ai reçu des sleeves taille 56 x 87 mm, on s'en fout. Voilà, normalement il y en a 100 dans le paquet. Ensuite, deux card holders, comme ça. Alors lui, il me fait peur parce que bah, il est super serré. Et lui, il est très bien, voilà, il est parfait. Très mimi, j'aime beaucoup. Ensuite, deux binders. Celui-là, c'est un binder A4. Attendez, je l'ouvre. Et ça sera pour mes PC Stray Kids. Et ça, c'est un petit binder en PVC, mais on dira rien, qui est pour mes PC de TXT. Et après, j'en ai une de BTS et une de 80s. Je sais pas, peut-être que je les range là-dedans ou peut-être là-bas. On verra.